Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, donc je suis très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, cette vidéo va concerner un nouveau smartphone. Ce smartphone porte le nom de Blind Shell. Le Blind Shell, qu'est-ce que c'est? C'est un smartphone simplifié. On va voir ensemble le contenu de la boîte, car comme d'habitude, la boîte est sur le bureau. C'est une boîte très sobre, avec donc marqué Blind Shell et le logo de l'entreprise qui a créé ce smartphone. Cette boîte est tout simplement noire, avec au dos l'explicatif du téléphone. Le Blind Shell est un smartphone qui tourne sous Android. On est sous Android 5.1, donc Lollipop, on va avoir une nouvelle gestuelle ultra simplifiée. Vous allez voir que la gestuelle de ce smartphone est très simple pour des personnes justement qui auront certaines difficultés avec le tactile. On va tout de suite faire le déballage du Blind Shell et voir ce que la boîte contient exactement. On va ouvrir la boîte. On tombe tout de suite instantanément sur le téléphone. Ici, le téléphone qui est très plat. Donc le voici, je vous le montre de très près. Je vous montre ici le dos. Un appareil photo à l'arrière de 5 millions de pixels. Sur le côté gauche, on trouve les boutons de volume. Ensuite, nous n'avons plus rien. Sur le dessus de l'appareil, on trouve la connectique justement pour le charger et le port jack. Car oui, ce téléphone a vraiment un port jack. Et sur le côté droit de l'appareil, on va trouver le bouton marche arrêt. Et c'est tout ce que l'on va trouver dans ce téléphone. Et le téléphone est de couleur blanche. Et bien sûr, sous l'appareil photo, à l'arrière, on trouve un petit flash LED. Voilà donc pour le téléphone. On va continuer à voir ce qui se trouve dans la boîte. Alors, la boîte, on a, comme d'habitude, donc une notice ici qu'on ne lira pas. On a un casque fourni avec le téléphone. On a la connectique, un câble USB pour brancher à son PC et pour le rechargement. Comme vous pouvez voir ici, la batterie est interchangeable par l'utilisateur. Je vous la mets ici en gros. Donc vous allez pouvoir vous-même changer votre batterie dès que vous sentirez que votre téléphone n'est plus assez puissant. On va voir après pour la mettre. Et enfin, une prise murale pour le rechargement du téléphone. On va tout de suite mettre donc la batterie dans le téléphone. Voilà donc, pour mettre la batterie dans votre téléphone, on va aller au bas du téléphone. Et on va lever le capot arrière en poussant vers l'arrière. On arrive sans problème à enlever le capot à l'arrière de notre téléphone. Donc comme vous avez vu, c'est très simple au niveau du changement de la batterie. Les plots de recharge se trouvent en haut à droite sur la batterie. On a donc des petites rainures qui nous montrent que on peut positionner notre batterie ici comme cela. Voilà donc, la batterie est mise, on va pouvoir allumer notre téléphone. Le Blind Shell, donc pour qui, pour quel public? Alors le public visé est surtout les personnes aveugles et les personnes malvoyantes, mais je pense que les personnes aussi avec des difficultés des membres supérieurs vont pouvoir se servir du Blind Shell. On va tout de suite l'allumer et vous allez voir que à l'allumage, ils ont pensé à tout,
Pour l'allumer, en haut à droite, on a le bouton marche arrêt et on va voir ce qui se passe lorsqu'on l'allume. Cette vidéo déballage touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Une vidéo va suivre avec l'intégralité du tutoriel. Vous allez donc pouvoir profiter de la voix et de l'intégralité des menus. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et pensez bien à vous abonner et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Car plus de 245 vidéos vous attendent sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. Et moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine sur le Blind Shell. Salut !